Et bonjour tout le monde, c'est Dars. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ben on est de retour sur César 3, le mon jeu préféré quand j'étais jeune. Et je me demandais, est-ce qu'il vaut mieux faire une zone un petit peu agitée ou une zone paisible? En fait, si je me souviens bien. Maintenant que vous avez prouvé vos compétences, je désire que vous fondiez une petite cité juste au sud de Rome. Afin d'atteindre une population de taille raisonnable, il vous faudra fournir plus de biens et de services. Planifiez soigneusement. Le Sénat de Rome compte bien faire des bénéfices en investissant son argent pour vous aider à démarrer. Votre nouvelle province est riche de ressources. Installez des industries et des routes de commerce, puis exporter des biens pour gagner les fonds supplémentaires dont vous aurez besoin. Assurez-vous également que tous vos citoyens paient des taxes. Vous devriez construire un dock afin de pouvoir commercer par la mer. Construisez le dock en bordure de la rivière et donnez-lui un accès à un entrepôt afin de stocker les produits d'import-export. Des navires de commerce s'approcheront de votre dock lorsque vous aurez ouvert une route de commerce maritime et indiqué à votre conseiller commercial la nature des biens à vendre et à acheter. Comme la plupart des bâtiments, le dock doit avoir accès à une route et à de la main-d'œuvre. Je n'attends rien de particulièrement extraordinaire de votre part. Je jugerai de votre performance sur 5 critères. Le niveau culturel de votre cité, sa prospérité économique, votre capacité à maintenir l'ordre et la paix, l'estime que je vous porte et la taille de votre population. Rassurez-vous, les objectifs que je vous ai fixés sont plutôt modestes. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à satisfaire mes requêtes. Je serai particulièrement enchanté si vous y parvenez dans les plus brefs délais. Oh, un petit avertissement. Soyez très attentif si des rapports vous signalent une dégradation du moral de vos citoyens. Votre récente nomination au poste de gouverneur ne vous excusera de rien. Si vous réclamez trop de taxes, si les salaires sont trop bas, si la nourriture vient à manquer ou si le chômage est trop important, vous aurez du mal à attirer de nouveaux immigrants. De plus, la criminalité risque d'augmenter considérablement. Vos conseillers sont toujours prêts à vous assister. Non, croyez-moi, le secret du succès d'un gouverneur réside dans sa capacité à tirer parti intelligemment des informations dont il dispose. Lorsque les choses ne se passent pas comme vous voudriez qu'elles se passent, prenez le temps d'en chercher la cause et apprenez à corriger le problème. Capua est située dans une région paisible de l'Empire. Vous pouvez donc vous consacrer tranquillement à la gestion de votre cité. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est donc ici c'est 2500 de population, 10 de propriété, 60, 35, 20. Et si je me souviens bien, si on utilise l'autre. 10, maintenant que vous avez 40, prouvé vos compétences, je désire que vous fondiez une petite cité au sud de Rome. Afin d'atteindre une population de taille raisonnable, il vous faudra fournir plus de biens et de services. Planifiez. Bon. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais commencer par la partie. Non. Je me suis trompé. Je crois que c'est ingénieur. Ouais. Voilà. La partie de militaire, et je pense qu'après je ferai une nouvelle partie qui sera basée justement sur la partie paisible. Voilà, on pourrait commencer par paisible. Non, on va faire commencer par militaire. Allez, hop, ferme. Ferme blé, 3 de blé. Déjà un bon commencement, je pense. Trois de blé, ferme, raisin. Trois de raisin, trois de blé, trois de raisin. Allez, on va commencer par ça. Ça devrait le faire. Ferme, raisin, non, raisin, décidément, ferme, raisin, voilà. On va pouvoir faire du vin. Mmh.
faire études d'ingénieur et études de une préfecture ici. Manque de main d'œuvre. Voilà, manque de main d'œuvre. Hop, merci. Alors. Est-ce que c'est suffisamment proche? Oui, c'est suffisamment proche, bien. Alors. Petit arbre qui fait chier, voilà. Je vais faire une route comme ça ici. Parce que je pense que j'en aurai besoin à un certain moment. Hop. On commence. Oui, vous remarquez que je fais directement la fontaine et pas le puits. Des eaux prioritaires, merci. La famine, oui, merci. Bah oui, ça va. Ça va arriver la note. Il y aura suffisamment de population. Il y a un manque de population d'ailleurs. Il manque 48 employés. On va attendre que ça arrive. Ça a augmenté production et nourriture. Ouais. Enfin, le reste. Plus de temps pour qu'il y ait suffisamment de personnes. Ah, menace d'invasion est en jeu. Une colle de bataille. Près de Rome, hein, en plus. Près de Rome. En fait, j'essaye de zoomer, mais dans ce jeu, on sait pas zoomer. Faut que le marché commence à marcher. Thank you.
même pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé. Je crois que ça fait 5 minutes. On va dire que ça fait 5 minutes que j'ai commencé. J'espère qu'il n'y a plus de parasites au niveau du micro. Hein, parce que ça c'était chiant, j'ai remarqué que j'avais fait il y avait des parasites. Évidemment. Ah, voilà la nourriture qui arrive. Supprimer la route en même temps. Non, c'est pas grave. Ouais, non. Mais je vais remettre une équipe d'ingénieurs ici. Et une préfecture là. On en a jamais assez. Même si la cité manque de manœuvres. Une nouvelle ferme, oups, non pas une, un nouveau marché, un marché que je vais mettre ici. Ah. Un marché, voilà. Des termes. C'est trop loin ici. Des termes. D'ailleurs, qui manque un lieu de culte, je suppose. Oui, un lieu de culte. Donc, Cérès, Neptune, Colère des dieux, oui, ben justement, attends. Mercure, oh, il y a des révolutionnaires. Mercure. Mars. Et Vénus. Il n'y a pas de divertissement. École de théâtre. Avec un théâtre, forcément. On a un théâtre ici. Voilà. Le théâtre, ça devrait être bon pour l'instant. Après, ils vont demander une école. Donc, une école ici. Et une école. Déjà le deuxième. Non, c'est le manque de main-d'œuvre. Ah, okay. Je commencerai à faire mes défenses quand je serai à la deuxième école de bataille. Pour l'instant,
concentre sur l'économie de notre cité. Oui, à propos d'économie. Forum. Merci. Forum. Hop. Et hop. Avec ça, on va le temps. Ici la peau de la poterie quoi. Pour ces maisons c'est bon. Le chômage commence. Oui, oulala, le chômage. Oh. On va commencer à faire du vin. C'est bien là. Ensuite, entrepôt. On va entreposer tout ça. Oh, peste. Dispensaire, un ici. Voilà. Cette maison elle évolue pas. Rien à voir. Non. Ben on va mettre un des plates ici. Voilà. J'en ai pas besoin, un barbier, tiens, un barbier. Les gens ils aiment bien voir des barbiers. Il me reste plus beaucoup d'argent. Il va falloir commencer à l'économie. C'est l'économie du vin exactement. Qu'est-ce que voir la carte d'empire, voilà. Achat, bouclier, achat, voilà, lui il vient en bateau. Donc doc. Peste est fini. On va attendre d'avoir un peu de truc avant d'ouvrir la route commerciale. On va attendre d'avoir au moins 3 unités. Ouais, il en faut deux, ouais. Deux unités. Non, ouais, trois unités. Trois unités minimum. La prochaine nuit. Bah voilà. Bon, on va commencer à construire.
caserne, donc. Ouais, mais du coup, il me faut des armes aussi. Première mine. Deux mines, ça devrait être suffisant. Et vu que ce genre de truc est moche, je préfère. Hop là, voilà. C'est moins moche. Mais j'aime pas les roues. Celle-là, elle vole pas. On a commencé à créer ici des maisons aussi. Là-bas, donc, pom fort. Oh, cavalerie, j'ai dit. Thank you.
chercher les biens. Voilà. Avec ça, une première ligne de défense est créée. Ouais, je sais, il y a une ligne précise, mais bon, on verra après. Logiquement, la première fois ils apparaissent là. Parfois ils apparaissent là, mais la plupart du temps ils apparaissent là. Donc moi je me prépare. Ah, le truc n'est pas assez loin. Bouton de. Ah, juste d'un truc. Est-ce que si je l'éloigne de 1. Il y a quand même de l'eau jusque là. Ah oui, non. Ah oui, je peux courir. Oh. Voilà, hop, voilà. Je sais que c'est con, mais voilà, juste pour avoir un peu d'eau. Ça c'est bon. Retour à la carte normale. Merci. Un légionnaire. 6 javelines. Bon, on va pouvoir commercer. Exporter à partir de 3. Merci. Merde que les gens ils viennent jusque là. Corps de garde, ça sert à rien de venir jusque là. Donc messieurs, ah, il y a des gens sur la porte. Voilà. Comme ça, ceux qui là restent confinés par là et ceux-là, et vous restez confinés par ici parce que non, on va pas s'en sortir. On va juste mettre un dispensaire ici pour éviter les catastrophes du genre maladie. Oh mais non! Ah. Et tu t'arrêtes là. Et il y en a d'autres hein, qui crament. Non, j'ai pas le choix. Thank you.
peine pour rien. Ennemi aux portes. Oui. Ennemi aux portes, ouais. Bon, bah du coup, j'ai besoin d'argent là. Ah, bah voilà, il y a les marchands qui sont là. Parfait. Cette zone est libre d'accès pour la cité. Mon armée n'est pas formée. On est un peu dans la merde. Ce qu'on va faire, c'est faire un deuxième entrepôt du coup. Ici. Ordre spéciaux, tout refusé. Sauf le vin qui va être pas cherché bien, le vin et les boucliers. T'es. Non, pas les boucliers parce que c'est pas le, c'est pas par là que le, les boucliers passent. Ok. En ce qui concerne ici, tout accepté. Tout refuser sauf le vin et l'armure. Non, justement. Le vin, on va refuser aussi. J'aurais plus vite fait de pousser cette charrette jusqu'à Rome. Donc là où on m'a envoyé. Je n'ai nulle part où aller. Bah oui, t'as été expulsé chez nous. Je crois que ça fait quand même 3 éloignés pour ça. Alors. Ouais. Ah non, ça va. Ils ont réussi à trouver des employés, d'accord, ça va pas. C'est suffisamment. Ok, parfait. L'argent augmente lentement. 30% de la population paye cette taxe. Revenu total, salaire, construction. Ouais, faut que je baisse les constructions parce que sinon. Envoyer un cadeau à César pour commenter l'opinion qu'il a de moi. Ok.
ici, voilà. 56, il me demande 40, c'est bon. Ah bah. Du coup, je vais ouvrir une boutique commerciale. Non, je vais pas ouvrir une boutique commerciale, ça sert à rien. J'aimerais qu'à partir du moment où t'atteins 1000, la musique elle change. Je sais pas si on l'entend bien, je pense pas qu'on entend la musique. Son. D'ailleurs, je vais diminuer un peu les bruitages parce que je trouve que ça me casse les oreilles là. Voilà. Ah, ça évolue, ça. Pourquoi là ça évolue pas? Ah oui, il est fort. Tiens, on savait pas qu'on soit de statue. Statue. Statue moyenne. Oh, tant pis pour cette zone. Après tout, c'est une zone militaire. C'est le but de cette zone. C'est pas le but d'avoir des citoyens riches et puissants. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Ah, il manque de nourriture dans la cité. Bah oui, mais c'est pour ça que j'ai construit 3 fermes de plus. De 1. Comme ça j'en ai toujours un de stock et voilà. Pourquoi tu vas si loin toi pour aller les taxes? Allez, vous allez arrêter de faire vos conneries. Hein. Voilà. Non, mais du coup, le risque de destruction de ça va être élevé maintenant. Juste au cas où. Voilà, équipe d'ingénieurs, de toute façon je vais construire des maisons ici. Je sais que je pourrais créer des meubles, mais ça vaut le coup. Je vais faire une sauvegarde.
parler d'Arst. Ah bah là, tiens, il y a un Darst là. Et donc, il faut que je ramène un réservoir jusqu'ici. Et hop. Jardin. Les armes, ça se vend cher. Ce genre de choses. Ah. J'en ai combien dans mon entrepôt? 11. Bah, ça va tellement me. Marcher, il faut un grenier. Où on en est au niveau des greniers? C'est pas génial, génial. Hein. Il va falloir encore plus de nourriture. Évidemment, manque de main d'œuvre. Le but, c'est quand même. On pille nos vins, non, pas le vin. Voilà. J'ai dit, c'est ici que ça va pas. Normalement, cette attaque, elle est gérable sans problème. Pas besoin de mes troupes. Voilà. Terminé. Est-ce que l'eau va suffisamment?
marché. Oh, spéciaux, va chercher les biens. Je peux le décoller un peu. Non, je peux pas le décoller. Rome, vous merci d'envoyer. Oui, merci, Rome. J'en ai rien à foutre. Tu me prends mes biens comme ça, les biens de la cité que j'ai tant de mal à créer. En fait, non, j'ai pas tant de mal à créer. Le raisin, ça va. Mais quand même. D'ailleurs, j'ai trop. La vitesse de création de raisin est trop élevé par rapport à la création du vin, je crois. Cinq employés. Bonsoir. Ce que j'ai toujours pas fait de sénat. Tiens. Tiens, comme ça, le sénat va pouvoir récolter les taxes ici. Ça, ils arrêtent d'aller aussi loin. Dispensaire. Barbier. Colère des dieux. Ma cité est trop grande. Normalement, j'ai jamais vu quelqu'un, j'ai jamais vu qui les ennemis attaquer de ce côté-ci, donc rien à foutre. Ils attaquent généralement de ce coin-là ou dans ce coin-là. Voilà. Je sais que c'est ce coin-là et je l'ai pas défendu. Mais bon. Mais il y a quand même un écho de bataille, mais on a. Mais Neptune, laisse-moi le faire le temps, bordel de merde, c'est ce que j'étais en train de faire. Chier les dieux, rien d'autre à faire que faire chier les humains. Tu attends Mars et bientôt tu seras content. On en est où au niveau de la manga?
touche 1%. En fait. Je me demande vraiment pourquoi je continue de passer par ici. Ils ne m'achètent rien, ils ne veulent rien me vendre. Unité de stock, unité de stock, unité de stock. Ok, j'ai compris. Unité première, mine. Fer. Quoi, quoi, il m'a fait quoi? Ah l'enfoiré! Il a détruit une partie de mes biens. Oh, mes troupes sont bons, c'est bien. Ouais, ça va, ils sont au maximum. Je pourrais encore créer deux trucs, mais ça sert à rien. Bon, pourquoi vous évoluez pas, vous? Atteint un marché. Ah, mais le marché vient pas par ici. Ah. Est-ce que le con elle va dans un endroit où il n'y a personne? N'importe quoi. Et toi pourquoi t'évolues pas? Non, là, elle disparaît. N'importe quoi. Alors, on en est où? C'est un ennemi à s'approche de la cité, oui. Sinon, tout va bien. On est où au niveau de la prospérité? 62, 20, 13 et 10, 60. C'est quoi les objectifs? Bon, c'est bon. Maintenant, il me reste en fait plus que la population à atteindre. Et au niveau des dieux. Ils sont où les dieux? Satisfaits. Ils sont pas exaltés. Il faudrait encore un temple. Encore des temples. Comme ça c'est tourné à des temples. Mars.
aussi, hein, parce que sinon, ça va faire boule. C'est pas très qu'ils ont besoin. Est-ce que quelqu'un me vend de la poterie? Ouais, lui il vend de la poterie. Tiens, alors. Hop. Entrepôt. Voilà. Ordre spécial, juste la poterie. Importé. Espérons que ça va pas me ruiner économiquement. À propos de ruine économique, je crois que cette fois-ci ils vont attaquer ici, donc on va préparer nos défenses. Pour marquer le coup. My governors think money grows on trees. Sont en train de crever. Thank you.
meilleur élève. 36, bon, je crois que je vais m'arrêter là. On n'a pas encore atteint les 2500 de population, mais ça va pas tarder. Donc merci d'être venu, merci d'avoir regardé, et à une prochaine fois sur Dark City.